Vidéo numéro 2. Donc, je disais que moi, il y a des attitudes, il y a des propositions, les gens vont me faire qui ne me... Je ne tremble pas. Vous comprenez? Je ne tremble pas. Deux jours, là, depuis avant-hier, il y a un monsieur qui me contacte. Un jeune. Il n'a même pas... Il est beaucoup moins âgé que moi. Il a vu comme ça sur mes réseaux sociaux et puis il dit c'est moi il veut. Il travaille aux affaires étrangères des ministères de l'Afrique francophone. Et il fait partie de la famille présidentielle, bien évidemment. Mais il n'est pas âgé. Un bel homme comme ça. Sur toute la terre, là, il dit c'est moi il veut. Proposition a commencé. Des propositions indécentes. Des propositions indécentes. Ah, est-ce que tu veux que je t'envoie de l'argent pour t'acheter du matériel pour que tu puisses atteindre un autre level? Je préfère m'arrêter là. Je lui ai dit, toi-même là, pour qui tu te prends? Tu t'adresses à moi comme ça, comme si on avait, toi et moi, on avait fait le CP ensemble. Je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Ah, excuse-moi, tu me plais tellement. Tu me plais. Il dit, toi et moi, là, on ne peut jamais même se mettre ensemble. Parce que j'ai 9 ans de plus que toi. Le monsieur a 33 ans. Moi, j'ai 42 ans. Il dit, mais ça, c'est rien. Tu ne fais même pas tes 42 ans. Il dit, écoute-moi très bien, mon petit. Tu ne sais pas à qui tu te frottes. Faut te calmer. Il dit, mais tu sais que tu as une étoile. Il dit, c'est étoile-là même, je sais que j'ai ça. Et je sais que c'est à cause de toi là-même que tu es dans mon inbox. Tu pensais, moi, je vous dis une chose, hein. Regardez, écoutez-moi très bien. On est tous sur les réseaux sociaux là. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein. Et puis vous me voyez comme ça là. Moi, je ne suis pas simple. Hein. Non, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je ne dis pas ça pour vous effrayer ou même pour vous faire comme si c'est moi quoi. Non. Je dis, écoute-moi très bien, mon petit. Quel que soit qui tu es, je m'en fiche. Et que moi, se voir sur Paris. Est-ce qu'on peut se voir sur Paris? Ils veulent juste discuter avec moi. Est-ce que j'ai pu lui envoyer mon PayPal? Tu envoies-moi ton PayPal. Je vais t'envoyer un peu d'argent. Hein? Tu vois, comme tu dis qu'en ce moment, c'est un peu chaud. Tu n'as plus ton chômage. Ton activité, comment ça se porte? Il y a des propositions indécentes. Je vous passe les détails. J'ai dit toi, tu ne sais même pas à qui tu as fait. Bon, bref. Je vais vous dire une chose. Vous savez, moi, vous me voyez dans le monde là. Moi, je ne suis pas du monde. Hein. Ah non, moi, je ne suis pas du monde. Moi, je suis déconnecté du monde. Moi, que vous voyez, c'est mon physique, vous voyez là, mon esprit ailleurs. Donc, moi-même là, je ne sais pas ce que tu as me proposé même. Et puis j'ai tremblé. Franchement, j'aime l'argent, hein. Faut pas y remonter. J'aime l'argent. Oh, j'aime l'argent. Mais l'argent n'est pas mon maître. Mon maître, c'est Jésus. Et c'est lui qui élève, c'est lui qui bénit. Il dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre mes mains. Je l'incline comme je veux. Le cœur du roi est un courant d'eau entre mes mains. Je l'incline comme je veux. C'est Dieu qui bénit. Quelque chose, toi-même, tu sais que ton papa a ça. Dans le livre des Agé, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est mon papa là, c'est lui qui bénit. Pourquoi je cours comme ça pour aller... Je cherche quoi comme ça? Moi, le monde même ne m'impressionne pas. Vos biens, vos réalisations, vos Louis Vuitton, vos Fendi, vos Range Rover, ça ne m'impressionne pas. Parce que c'est pas ça le plus important pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, essayez de boire de l'eau glacée et puis... Vraiment, libérer mon inbox, libérer mon WhatsApp, d'accord? Voilà. Que tu sois, que tu travailles au ministère des Affaires étrangères ou que tu es affilié à la famille présidentielle de ton pays, je n'en ai rien à cirer. Voilà. Je lui ai dit ça comme ça et je vous le dis à toutes ces personnes. Je vous ai dit, je ne suis pas simple. Faites beaucoup attention à moi. Les personnes qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, là, j'espère que c'est de bonne guerre.
J'espère que vous faites ça pour faire pour vous pour avoir des vues. J'espère que c'est pas dans pour vous, hein. Je vais vous expliquer une chose qui s'est passée à la Chambre des métiers l'année dernière. Quand j'étais à la chambre, j'ai fini, hein, ça fait 2 ans que j'ai fini ma formation. Vite fait. Ma prof, j'ai été victime de racisme. Ma prof de comptabilité, de gestion, une Française, elle me haïssait. Elle m'a persécuté. Le racisme en live. Je vous ai expliqué ça. Si je n'étais pas, si j'avais pas Jésus, je quittais l'école. J'arrêtais la formation. Parce que c'était plus supportable. Elle m'a cassé. Mais j'ai pu avoir dans ce module-là, j'ai pu valider mon module. Là, j'attends les résultats là. Je crois les résultats, on donne les résultats soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je vous dirai si j'ai eu mon diplôme ou pas. Cette femme-là, quand elle faisait ça, à un moment donné, j'ai commencé à prier. Et l'Esprit de Dieu me dit, prie pour elle. Et le Seigneur me ramène dans un verset et je ferai une vidéo dessus. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ces personnes-là. Le Seigneur me ramène dans ce verset-là. Et je prie avec ce verset-là. Mais ce n'était pas facile. Humainement, ce n'est pas possible. À la fin de l'année, cette dame, elle m'a cassé. Elle m'a donné une note de contrôle continu de 10. Les filles blanches qui ne venaient pas à son cours-là, elle leur a donné 16. Mais grâce à Dieu, j'ai eu mon module. Très bien. À la fin de l'année, on devait se séparer. Quand on se sépare comme ça avec nos profs, on leur fait des cadeaux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour celle-là, toute la classe n'est pas mobilisée. Je n'ai pas compris. Hein? Je n'ai pas compris. Toute la classe n'est pas mobilisée. Et puis, c'est moi qui ai rappelé à la classe que, ah, il y a la prof qui s'en va, mais on doit lui offrir un cadeau. Ah, oh, on a oublié. Donc, on se cotise. Habituellement, on se cotise 5 euros pour offrir un cadeau. J'ai dit, mais elle aime beaucoup les fruits. Et puis, elle aime les petits bijoux fantaisie, chic, là. Les bijoux artisanaux, là. On va lui offrir ça. Et il y a une qui a dit, mais ça coûte cher, hein, parce que le bijou dont tu parles, là, déjà, la seule pièce, le petit bijou, il coûte déjà 40 euros. Mais le panier de fruits aussi, un beau panier de fruits, il faut compter au moins 30 euros. 5 euros, ça suffit. J'ai dit, on y va. Donc, celle qui s'occupe, c'était pas notre délégué, mais elle jouait quand même le rôle de délégué. Elle a pris ça avec une autre. C'est la copine. Elle se voit là-bas, elle prend là-bas, le truc là-bas. Mm-hmm. C'est moi qui suis le vilain petit canard, la petite tache noire de la classe. Donc, c'est moi qui t'ai. Elles ont fait leur groupe WhatsApp. Il y avait un groupe WhatsApp de la classe. Hein. Après, elles ont créé un groupe WhatsApp entre elles, les blanches. J'ai su ça après. Je les regardais, je riais. Quand tu as Jésus, c'est bon. Et le jour où on devait lui donner son cadeau, bah, il y en a qui n'ont pas donné les 5 euros. Il y en a qui ont donné 2 euros. Bon, l'argent ne suffisait pas. Moi, j'ai enlevé, j'ai dit, mais j'ai donné mes 5 euros. Hein. Et puis, elle me dit, ah, bah là, ça manque. Hein. J'ai enlevé encore 20 euros. Puis, j'ai donné. Donc, moi, je lui ai donné 25 euros pour préparer les deux cadeaux, le panier de fruits et tout. Et puis, on lui a donné. On lui a fait un petit mot. On a écrit sur des petits mots. Moi, je lui ai fait un beau mot. Merci, prof d'amour. J'ai un mot d'amour. Elle lisait ça comme ça et puis elle m'a regardé comme ça. Elle me regarde, elle lit le mot. Parce que j'ai signé. Elle lit le mot. Et quand on a offert le cadeau, chacun est venu. C'est pas comme si on l'a embrassé. J'étais la seule à l'embrasser, à la prendre dans mes bras. Mais elle m'a poussé d'une manière. Moi, je vous dis, j'ai des témoignages. Elle m'a poussé d'une manière. Où je vous parle. J'ai appris, juste avant qu'on ne finisse la formation, que cette dame-là, elle a été radiée de toutes les chambres de métier, de tout le département de la Seine-et-Marne. On m'a pas dit, hein, ils l'ont radiée. Le président de la chambre des métiers de la Seine-et-Marne l'a radiée. Moi, je ne savais pas. J'étais la seule à ne pas savoir. C'est notre conseiller-là qui me dit, mais tu n'es pas au courant. Ils ont créé les petits groupes WhatsApp. Moi, je ne suis pas dedans. Et il m'a expliqué maintenant la situation. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, mais tu sais pas, ange? Je dis, non, je sais pas. Vous êtes entre vous les blancs là, est-ce que vous me mettez au courant de vos trucs? Il a commencé à rigoler. Il dit, non, en fait, le programme qu'elle vous a donné, c'était pas à votre niveau. Je dis, mais j'ai signalé ça. Vous m'avez insulté, elle m'a insulté ici. Pour qui est-ce que je me prends? C'est moi qui ai venu lui montrer son école qu'elle a fait. Et moi, j'ai quel niveau?
Vos universités à deux balles de la Côte d'Ivoire, là, tu vas venir m'apprendre quoi? Je lui ai dit, mais prof, le programme que vous nous donnez là, moi j'ai entamé ce programme-là en licence à Abidjan avant de venir. Ça, c'est pas notre niveau. Elle m'a insulté copieusement jusqu'en demain matin. J'étais là comme ça, je l'ai laissé. Et puis il a raconté d'autres choses que je ne dirai pas ici. Bref, pour vous dire que pendant qu'elle me haïssait, pendant qu'elle cherchait à me détruire, moi je priais pour elle. Et à la fin de l'année, c'est moi qui ai pensé à ce qu'on lui offre un beau cadeau. Et c'est moi qui ai donné la plus grosse part pour son cadeau. J'ai écouté un prêche du pasteur Mohamed Sanogo. C'est après qu'il a fait ce prêche-là. J'ai dit, mais l'esprit est un. Où le pasteur Mohamed Sanogo dit, quand une personne est en train de vous faire du mal, quand une personne est en train de vous persécuter, quand une personne est en train de vous détruire, vous, pensez au cadeau que vous pourriez lui offrir. Jésus dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Des fois, là, vous vous fatiguez. Faites comme moi. Moi, maintenant, là, quand quelqu'un me fait du mal, quand quelqu'un est en train de me calomnier, je sais, parce que l'Esprit de Dieu me montre dans mon entourage qui m'aime et puis qui ne m'aime pas. Non, mais je ne mens pas. Vous savez, quand tu as atteint une certaine forme de discipline avec Dieu, il te révèle les choses cachées. Si, si. Si, si. Les pasteurs parlaient comme ça, je ne les croyais pas. J'ai dit, ah, donc c'est vrai. Et ça, tu ne peux le vivre que quand tu as une certaine vie de sanctification, hein, quand tu atteins un certain niveau. Hein. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais je dis que quand tu es dans une certaine dimension, ça, tu vis cette expérience-là. Et moi, je le vis. Si, si. Je vais finir de vivre cette expérience-là. Et puis, un gougnafi va quitter là-bas dans un pays d'Afrique pour dire, je suis au ministère des Affaires étrangères. Je dis, vous n'allez pas me distraire avec vos propositions de... Je suis de la famille du président. Si tu veux, là, il faut être de la famille de l'apôtre Paul. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Pour vous dire, bref, que restez concentrés sur vos vies. Si, si. Restez concentrés sur vos vies et puis apprenez à manifester beaucoup d'amour autour de vous. Vous qui violez les enfants, là, vous qui maltraitez vos servantes, vous qui faites du mal gratuitement, si vous pouvez vous faire soigner, parce que je suppose qu'il faut être malade pour faire du mal à un petit enfant, faites-le. D'accord? Essayez de vous faire suivre, ça va vous faire du bien. Maintenant, moi, laissez ma vie. Parce que vous ne savez pas à qui. Vous, on est sûr. Hey, les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Vous comprenez? Où vous me voyez sur les réseaux sociaux là, laissez-moi. J'ai fait ma petite comédie, j'ai fait mes petites bêtises, je vous insulte façon. Moi-même, insulte que je vous dis là, ça c'est un deal que j'ai fait à Dieu. Moi, je sais pas comment on fabrique un cerveau pour insulter quelqu'un bête. Je sais pas. Je sais même pas comment c'est possible même que d'un simple rapport sexuel sorte un être humain. Mais ça, c'est mon affaire, j'ai fait avec mon Dieu pour vous insulter. Si, si. Pour vous choquer bien, bien. Ça n'a rien à voir avec ma... Non. On se comprend. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Donc, si je fais une vidéo où je ne vous dis pas que vous êtes bête, ce n'est pas bon. La vidéo n'a pas de poids. Vidéo numéro 2. Dans la troisième vidéo, je vais m'attarder sur les hommes sales. Parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dans les couples, dans les foyers. Et puis, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais notre mauvaise éducation et nos vilaines habitudes affectent les personnes autour de nous. Et l'Africain est de nature très égoïste. L'Africain, tant que ça lui fait plaisir à lui, tant que c'est... Même si ça dérange les autres, l'Africain, c'est pas son problème. L'Africain, c'est pas faire des concessions pour faire plaisir à l'autre, pour rendre la vie simple à l'autre. C'est l'objet de la troisième vidéo, de la troisième vidéo qui va suivre. Je suis à mon poste. Je ne bouge pas. Les hommes sales. Deuxième partie.
le défibrillateur en action comme ça. Le défibrillateur en action, on est lancé. Je vous ai déjà dit que désormais, appelez-moi la solution. Vous, les hommes, là, vous allez prendre vos tambourines et puis vous allez vous asseoir et puis vous allez écouter cette vidéo-là. Parce qu'il y en a marre de votre sauvagerie, là. On en a marre. Vos épouses, on en a marre. Vos femmes, on en a marre. Vos conjointes, on en a marre. Vous allez m'arrêter cette sauvagerie parce qu'il y en a marre. D'accord? Partagez la vidéo numéro 2. Et puis rendez-vous dans la vidéo numéro 3. Je vais me désaltérer un peu. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2-3 heures. J'ai un rendez-vous téléphonique là. Avec un client. On va faire ça tout à l'heure. Je reviens enregistrer la troisième vidéo. Ne bougez pas. Je suis à mon poste. De toute façon, j'aime ce poste là. Ça va déménager dans la troisième vidéo.